plus vite. Allez. Galop, Ablette. Un site d'énergie devrait y puiser. C'est bien, Ablette. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Alors, on est... Montrez-moi vos... Adieu. Ouh.
qu'on fait. On peut pas faire des sources sans eau. Qu'est-ce qu'il va accepter ? Il n'allait même pas avoir à son chien. C'est macabre de l'ordre, sûrement pour lui. Bienvenue. Oui. Au revoir. Bienvenue, fidèle client. Montrez-moi ce que... Adieu. Au galop, Ablette. Oui. J'ai une potion pour Léna, l'hirondelle. Premier signe du printemps, symbole de la renaissance. C'est un nom approprié. On verra. Je vous l'ai dit, la souffrance pourrait être terrible. Sur moi, l'effet est immédiat. Mais j'ai un métabolisme plus rapide que la moyenne. Dans son cas, il faudra attendre plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien tenter. Vous me plaisez, sorceleur. Tenez, pour vous remercier. Attention ! Tout doux maintenant. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors, y a un problème ? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, reste en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys ? Je les ai décrochés. Décrochés ? Pour mettre un soleil impérial à la place ?
Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Il brûlerait l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton Lâche-moi. Fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Je crois aussi. Et courage! Allez, courage! Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez, et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre.
Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Geralt. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ancel. J'ai passé les 6 derniers mois, Ancel. Et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Geralt. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou, pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça ? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi ? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'Empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kaer Morhen, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide ? Ça peut aller. Pourquoi ? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. J'ai rêvé de toi il n'y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite. Ensuite ? Nous parlerons de ça demain, d'accord ? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche,
mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté ? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet. Vous vous abstenez. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi ? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. D'accord. Et après, vous allez me faire les ongles aussi ? Si nous en avons le temps. Hélas, les journées sont courtes, et la liste des traitements hygiéniques et cosmétiques dont monsieur aurait besoin est trop longue. Relevez la tête, je vous prie, et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris. Commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y, la paperasse. C'est important. Bien. Geralt de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Foltest m'a demandé d'ouvrir la voie. Le garçon a voulu me barrer la route. Vous avez tué l'héritier des Lavalette, et ça vous laisse de marbre. D'un autre côté, que vaut la vie d'un baron pour un tueur de roi ? Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant des Stries Bleus, et... Et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés... intéressants. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. À fourrer encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid.
Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale à dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Une amie? Dites plutôt une vieille connaissance. Sa mort ne m'a pas ému plus que ça. Je dirais même qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Il s'imagine être le seul à pouvoir distinguer le bien du mal et pense que cela lui donne droit de vie et de mort sur les autres. Je cite votre camarade, Leto de Gouleta. Une description assez pertinente, je dois dire. Mon camarade et votre agent. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Votre alliance est morte et Leto avec elle. Je l'ai tuée à Lokmuin. Il paraît, oui. Et pour tout vous dire, vous nous avez rendu un fier service. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur. Et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue.